Oui, c'était une douleur qui traînait, que j'ai ramenée d'Ostende. Donc on a essayé de faire en sorte que ça soit bien pour aujourd'hui. Mais au fil de la mi-temps, la douleur a augmenté. Donc on a préféré pas prendre de risque pour pas aggraver ça. Ma sortie a tout changé. Donc voilà, Clinton qui est rentré, qui nous a fait un bien fou. Et Flo aussi qui a marqué. C'est bizarrement les mecs qui étaient frais, qui nous ont fait du bien. Mais ça... Ce qu'on s'est dit aussi à la fin, c'est que voilà, on s'était dit que tout le monde était important et je pense que ça résume bien l'état d'esprit qu'on a en ce moment. Qu'est-ce qui manque finalement à cet OM? Un peu de jeu peut-être, un peu plus? Écoutez, ce soir, c'est peut-être répété, mais dans l'état physique où on était, on savait que ça allait être difficile. Il y a une équipe de Dijon qui s'est bien défendue aussi en face. Donc des fois, et on l'a vu ce week-end aussi, notamment Monaco ou même Paris face à Amiens, c'est pas facile, mais il faut savoir les gagner. Et on l'a gagné ce soir avec 3 buts d'écart. On n'en a pas pris. Donc il faut retenir ça aussi. On ne pourra pas tout le temps être beau, mais il va falloir savoir être efficace. Voilà, on a eu, j'ai dit, des difficultés en première mi-temps. Mais voilà, on a su changer la donne et marquer 3 buts, ne pas en prendre. Donc c'est une belle soirée. Je sais pas. On aura des examens demain, mais honnêtement, mon cas personnel passe bien évidemment après le groupe. Et on l'a vu ce soir. On pourra compter sur d'autres joueurs quand on aura des pépins, des suspendus ou autres. Est-ce que ce début de saison ? Derrière la cuisse gauche. Oui, c'est sûr que jouer à domicile, forcément, on s'attend à prendre 3 points dès le premier match. Donc voilà, on a vu qu'il y a eu quasiment un parcours sans faute sur ceux qui ont fini devant l'année dernière, à part Nice. Donc voilà, on a répondu présent à la maison. Mais voilà, ce n'est que la première journée, il en reste 37.